السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدقيشية اليوم لنا 29/09/2014. Bonsoir messieurs dames, nous sommes donc le 29/09/2014. الدقيشية. Toujours le même sujet, toujours ces manipulations des USA avec leurs alliés et leurs laquais du Conseil de coopération du Golfe. Donc des analyses derrière des analyses pour essayer de voir clair de ce qui se trame. À la Kolihal, هذا التسجيلات تكون يعني مرتبطة بالتطورات المعقدة اللي راهي تجري في الشرق الأوسط وحتى ثاني كذلك في مقر جمعية الأمم ومجلس الأمن اللي تابع جمعية الأمم في مدينة نيويورك في أمريكا. طبعا كل واحد يلعب بحيلته وهي كلها مبنية على الخداع، يعني ما فيش قانون دولي ولا شرعي ولا أخلاق ولا مبادئ، كل واحد يلعب بشطارته. والقضية خطيرة جدا لأن الإنسان اللي يكون غافل يلعبوا له برجليه. لما الإنسان ينظر لهذه اللعبة هذه نتاع القرار نتاع مجلس الأمن، كيف بمثال طلع قرار كما يبدو يعني صافي ونزيه و يعني صوتوا عليه كل الأعضاء حتى الأعضاء الدائمين، ورغم هذا الشروط استولوا عليه الأمريكان وصبحوا بمثال ينظموا في حلف ضموا فيه إلا أصدقائهم اللي العجيب يعني هم اللي شاركوا في صنع هذا الإرهاب، وذوك حبوا يبينوا روحهم باللي راهم يحاربوا في هذا الإرهاب. وهم على كل حال ممكن على كل حال التحليلات اللي نقدمها ذوك تعطي بعض الأضواء حول هذا الموضوع. C'est un petit peu cette embryoglot, cette difficulté de comprendre ce qui se trame et ce qui se déroule dans la scène des Nations Unies à New York, ainsi qu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, où une deuxième résolution avec un article 7 venait d'être prise. Résolution à qui on a donné le numéro 2178, également avec l'article 7, comme celle qui a été prise auparavant, 2170. Maintenant, nous sommes à 2178 avec l'article 7, concernant Daesh et comment le combattre, ainsi que ses dérivés. Que ce soit Jabhat al-Nusra et les autres groupes. Mais en fait, la polarisation que les Américains veulent faire avaler, c'est de combattre Daesh plutôt que les autres groupes qu'ils qualifient d'opposants modérés, armés contre, disons, le pouvoir en République arabe syrienne. Donc, ils ont toujours cette volonté de tenter un changement politique en République arabe syrienne, malgré toutes les apparences de combattre un terrorisme qu'ils veulent faire admettre au monde entier. Bon, je lis mon article et c'est peut-être mieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, pendant que les employés mercenaires terroristes, et par employés mercenaires terroristes,
j'entends toute cette mouvance terroriste, mercenaire, takfiriste, wahhabite, frère musulman, etc. Alors, pendant que les employés mercenaires terroristes agissaient en République arabe syrienne pour la réalisation des agendas, agendas propres aux Qataris, agendas propres aux Saoudiens, agendas propres aux Turcs, agendas propres aux Israéliens, c'est-à-dire à cette entité sioniste. Chacun a son agenda. Chacun veut réaliser ses vœux. Mais tous, finalement, sont employés, sauf les Israéliens, par l'impérialisme américain. Donc, pendant que les employés mercenaires terroristes agissaient en Syrie pour la réalisation des agendas propres aux Qataris, propres aux Saoudiens, propres aux Turcs, propres aux Israéliens, puisque les Qataris financent leur groupe, les Saoudiens font de même, les Turcs également de même, les Américains ils ont leur préféré, et ainsi de suite. Donc, chacun veut réaliser son agenda dans cette affaire syrienne. Autour de la capitale, à un moment donné, c'était menaçant. Donc, plusieurs banlieues autour de la capitale syrienne, Damas, étaient finalement occupées, contrôlées par le terrorisme. Donc, propre aux Israéliens autour de la capitale syrienne pour l'envahir. Plusieurs tentatives pour envahir Damas. L'armée arabe syrienne progressivement nettoya toutes ces zones en banlieue de Damas et leur enleva à ces terroristes tout espoir de parvenir à leur but. Les opérations militaires toutes récentes libérant El-Mliha, Jouba, Aïn el-Karma, les trois parties de Adra, l'industriel, l'ouvrière et le centre-ville. Avec une ville à proximité du nom de Doukhalia, qui a été libérée, mais il reste quelques difficultés encore que l'armée syrienne arrivera à bout. Par contre, la capitale Damas est désormais hors de portée des tirs, quelquefois quotidiens, de roquettes tirées depuis toutes ces banlieues occupées par le terrorisme. Et précisément pour Douma. Douma, c'est encore une ville occupée par le terrorisme. La décision militaire est prise. Décision militaire de l'armée arabe syrienne est prise, cette ville étant encerclée de tous les côtés par l'armée arabe syrienne, il ne lui reste que d'être nettoyée des terroristes qui l'ont occupée depuis bien longtemps, comme cela a été accompli à Adra. Tout dernièrement, l'armée arabe syrienne est en route et rien ne la redoute. Déjà, la presse syrienne sera invitée au centre de Douma dans les prochaines heures, si tout avance comme prévu. Maintenant, parlons de Jouba, qui était le centre des opérations terroristes transformées par ces mêmes terroristes comme un véritable bastion, creusé de tunnels, d'abris souterrains, de passages sous les immeubles, sous les rues, a été libéré par cette vaillante armée arabe syrienne, ce qui fait que Douma, comparé à Jouba, est plus accessible. L'État-nation syrien qui a décidé d'en finir avec les terroristes installés à Jouba, sur ordre des USA. Ces terroristes à Jouba sont sous ordre des USA. Pour en faire un sujet de négociation avec le pouvoir syrien. L'armée arabe syrienne leur a enlevé cette carte qu'ils pensaient forte
pour imposer leurs conditions. Lorsque Joubr, Adra El Mliha, ainsi que Aïn El Karma, Diyar El Asafir et tout ce qui entoure Dimashq, zone banlieue que les officines et les états-majors américains ont planifié de les présenter comme objet de négociation avec l'autorité syrienne contre des concessions politiques aux dépens finalement de la cause palestinienne, puisque le sujet central c'est le soutien des Syriens pour la cause palestinienne, puisque les autres nations ou états arabes ont lâché prise et reconnaissent Israël avec tous les droits sur la Palestine sans aucune retenue, que ce soit les Saoudiens, les Qataris, ces pays du Conseil de coopération du Golfe. Ils ont déjà reconnu l'État d'Israël comme un des leurs dans la région, un point c'est tout. Même l'Égypte, avec les accords de Camp David qui ne sont toujours pas remis en question, les accords de paix israélo-égyptiens, il y a toujours finalement cette reconnaissance de cette entité sioniste. Alors, serrer la vis contre la République arabe syrienne, lui prendre toutes ces banlieues qui menacent la capitale de Damas, serait finalement un objet de négociation pour faire plier l'État syrien. Dans de futures négociations, si l'armée arabe syrienne n'a pas réussi à libérer finalement ces zones. Donc des concessions auraient été exigées aux dépens de la cause palestinienne. Avant de donner l'ordre à leurs mercenaires de les évacuer, s'ils étaient encore occupés. Mais lorsque toutes ces cartes leur échappent de la main, durant les différentes batailles victorieuses, à son rythme, rapportées par l'armée arabe syrienne, victoire remportée par l'armée arabe syrienne, sont trop forcés, puisque les moyens les plus redoutables, les plus destructifs, pouvaient aussi être utilisés. Mais par égard aux civils syriens qui pouvaient être là, captifs des terroristes, ou pour ne pas plus détruire ce qui reste de biens publics et privés, non encore détruits par les terroristes, qu'il faille donc épargner. L'autorité politique, l'armée, ont adopté cette manière de faire la guerre contre les terroristes dans ce cadre de combat urbain. Mais ce qui a aussi décidé l'autorité politique et militaire syrienne de mener rapidement cette offensive pour libérer toutes ces zones, c'est l'observation de l'intrusion d'agents israéliens du Mossad, ainsi que étrangers américains et les autres agents de ces pays du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que turcs. Donc, l'observation de l'intrusion d'agents israéliens et étrangers directement dans ces zones contrôlées par le terrorisme, et qu'il fallait les libérer le plus vite possible avec détermination. Quand on parle de l'exemple de Qassab, proche de la frontière turque, qui a été envahie en 48 heures, mais maintenant libre, après d'âpres combats et batailles, proche donc de la frontière turque, où un avion syrien fut abattu par la chasse turque, ou à Horan, là encore un autre martyr, officier syrien, qui trouva la mort accompagné d'un colonel qui n'a été que blessé pendant qu'il bombardait les terroristes tout proche de la zone du cessez-le-feu entre la République arabe syrienne et la bande des hauteurs du Golan occupée par l'entité sioniste depuis 1967, hauteurs du Golan libérés en 1973, malheureusement pas entièrement. Donc, un avion syrien a été abattu par un missile tiré par l'entité sioniste
missiles Patriot, de ces batteries Patriot que les Américains ont fournies aux sionistes pour soi-disant constituer un dôme d'acier qui a montré qu'il n'était pas du tout imperméable et qu'il était perméable finalement rien qu'à des petites projectiles palestiniens de Gaza durant ces 54 jours de combat qui ont fait finalement fuir les Israéliens du fait que leur dôme d'acier ne pouvait finalement être une protection pour la population sioniste installée en Palestine. Mais ceci n'est plus, n'est qu'un malheureux épisode qui n'assombrit pas les victoires dans Hama et la banlieue de Hama, dans Alep, également à El Hasaka, ou à Ruiran, ou à El Kanitra. Et la suite est à Huiran. Donc Ruiran et Huiran. La suite est à Huiran. Les choses sont claires aujourd'hui. Celui qui compte sur Israël est israélien. Et il sera traité comme tel. Donc tout Syrien qui finalement s'appuie sur Israël, c'est cette opposition armée opposée au pouvoir syrien et qui s'appuie sur Israël est considéré par l'armée arabe syrienne, l'État syrien, comme des Israéliens qu'il faut abattre. Donc, il sera donc traité comme tel. Ces instructions dans les zones du cessez-le-feu, ces intrusions finalement sionistes dans les zones du cessez-le-feu par des terroristes soutenus par l'entité sioniste dans un village à l'intérieur de cette zone de cessez-le-feu en violation flagrante avec la résolution ou les résolutions du Conseil de sécurité sur cette question. Ajouter à ceux-là comme autre violation des toutes dernières résolutions 2170 et 2178, toutes deux assorties de l'article 7, qui viennent d'être récemment prises au Conseil de sécurité et qui sont constamment violées par les Saoudiens, les Qataris, les Turcs et même par les États-Unis relatifs à la guerre décidée selon leur article 7 à ces deux résolutions contre Daesh, Jabhat al-Nusra et leurs dérivés. Voilà que les États-Unis détournent ces résolutions pour simuler de combattre Daesh, pendant que derrière le dos, eux et leurs alliés occidentaux et leurs laquais du Conseil de coopération du Golfe arabo-persique et la Turquie et la Jordanie et l'entité sioniste continuent de soutenir ce terrorisme encore plus fort qu'ils sont censés combattre. Sans rentrer dans les détails, l'affrontement est en réalité sur une autre échelle. Les jeux de théâtre dont le Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que l'Assemblée générale des Nations Unies n'est qu'un immense théâtre. En fait, les affrontements se situent sur une autre échelle. Entre deux camps, celui de l'impérialisme états-unien et ses alliés et laquais, et le camp de la résistance irano-syro-libano-iraco, et plus loin encore, russe-chinoise, et le reste des pays du BRICS. L'inattendu pour l'impérialisme fut que la République arabe syrienne a résisté. Et c'est ce qui a fait échouer jusqu'ici ce plan diabolique pour un nouveau Proche-Orient qu'ils avaient préalablement tracé pour permettre à ce cancer sioniste de repousser sa finitude et de se pérenniser au lieu et place de la Palestine. Par le seul moyen
Par quels moyens plutôt provoquer une guerre de 100 ans religieuse entre sunnites et chiites, comme on a tenté de la susciter par un nombre important de voitures piégées, conduites par ce terrorisme caméléon, des fois portant le nom de front islamique, d'autres fois Jamaat al-Nusra, puis encore Ansar al-Shem, ou encore Al-Qaïda, ou enfin Daesh, et pour faire joli, armée syrienne libre, un peu laïque. C'est donc par le moyen de voitures piégées, avec 500 kilos de TNT, conduites par des suicidaires, drogués à mort, endoctrinés à bloc par des gourous wahhabites takfiristes, leur promettant le paradis et ses vierges, et comme seule condition de l'atteindre ce paradis. C'est de se faire exploser devant une grande mosquée sunnite à la sortie de la prière du vendredi, ou d'un marché public, ou d'une école d'enfants, ou d'un hôpital, et surtout y laisser des indices fabriqués, pouvant diriger les suspicions, ou la suspicion, sur les chiites, comme étant les auteurs, comme un faux drapeau, et le tour y jouer pour faire exploser toute la ville dans une bataille de rue entre sunnites et chiites. Ce danger a bien été perçu par les responsables politiques, aussi bien au Liban qu'en République arabe syrienne. Les Égyptiens ont été quelquefois pris dans le piège. Chrétiens tués par des islamistes ou chiites massacrés par les frères musulmans du temps de Morsi. Nous avons vu ça. Au Bahreïn, la guerre civile dure depuis bien longtemps entre pouvoir wahhabite et population majoritaire chiite. Au Yémen aussi, mais le calme semble enfin installé entre chiites et chiites, entre sunnites et sunnites, pour faire oublier le conflit israélo-arabe, la question palestinienne. Toute cette stratégie était et reste le véritable plan de base dessiné par Bernard Lewis, juif anglais, sociologue et anthropologue à l'Université de Londres en Grande-Bretagne, qui a été conseiller des différentes administrations américaines, des différents présidents américains, au temps de Ronald Reagan, Jimmy Carter, jusqu'à aujourd'hui. Et gouvernement donc de cette entité sioniste installée en Palestine, il l'a été aussi conseiller. Projet et plan infernal, bloqué par la résistance du peuple syrien aux portes de Damas, provoquant des défaites consécutives américaines. Bachar al-Assad, intraitable pour la question palestinienne, que les pétromonarchies du Golfe arabo-persique ont abandonné aux sionistes et aux Américains. Pourquoi continuer de déverser des milliers de milliards de dollars dépensés par les Saoudiens et les Qataris pour renflouer le trésor des États-Unis dans des conflits fabriqués par les USA eux-mêmes, par les sionistes, pour provoquer les Arabes de s'entretuer sans qu'il n'y ait de morts ni américains ni israéliens, alors que depuis plus de 3 années et demie, le pouvoir syrien est toujours en place et que rien, désormais, ne le fera basculer, maintenant que les jeux sont complètement découverts. Pourquoi prolonger le conflit? C'est sans doute la honte américaine d'avoir échoué, malgré tous ces moyens gratuits offerts par les stupides pétromonarques. Déclarer que le président Bachar al-Assad est vainqueur est quelque chose de pénible pour une superpuissance mondiale. Cependant, son conflit à cette superpuissance mondiale américaine est avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, et tout se passe en République arabe syrienne, aux frais des Arabes. Il y a de quoi être satisfait pour le président Barack Obama des USA par l'introduction en force de Daesh en Irak. Cela a été un changement tactique des USA pour ces hommes demain en République arabe syrienne. Hommes coincés dans une position défensive face à l'armée arabe syrienne qui ne faisait que les écraser, bataille après bataille, comme
Et il a été décrit au début de mon article. Daesh reçut l'ordre donc des mêmes Américains de se rendre verticalement et non horizontalement, c'est-à-dire droit, direct, vers Mossoul, en Irak, comme un changement de tactique, cette fois-ci offensive, pour y trouver de nouvelles ressources et reprendre ses attaques. Le changement radical au Yémen fit peur aux Saoudiens, puisque la stabilité de ce pays déchiré au passé par le terrorisme et Al-Qaïda est le résultat d'une lutte victorieuse du camp de la résistance contre ce même terrorisme de la mouvance d'Al-Qaïda. Ce qui fait qu'il fallait préoccuper le camp de la résistance par Daesh en Irak et ainsi tenter de séparer l'Iran de la Syrie du Hezbollah par une manipulation en Irak. À suivre donc. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.